Baruch Hashem, Baruch Hashem, comment allez-vous ce soir? Baruch Hashem, oui, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, la réponse que nous donnons dans toutes les parties du monde. Baruch Hashem, merci mon Dieu, Baruch Hashem, merci à toi, béni sois-tu Hashem. Et d'où vient ce terme-là? Qui c'est qui l'a dit en premier, ce mot, Baruch Hashem? Qui c'est qui a dit la première fois Baruch Hashem de l'histoire du peuple juif? Est-ce que vous le savez? Eh bien, je vais vous le dire, c'est Yitro. Yitro. Yitro qui dit Baruch Hashem Asher Itzil Otam. Vous imaginez un petit peu Baruch Hashem Asher Itzil Etrem Miyad Paro. Yitro qui dit béni sois-tu Hashem qui a sauvé le peuple juif de la main des Égyptiens. C'est Yitro, ça n'est pas Moshe, ça n'est pas Aaron, ni personne d'autre. C'est Yitro qui dit Baruch Hashem. Et chacune et chacun d'entre vous, vous avez l'habitude de le dire. Baruch Hashem, comment allez-vous? Baruch Hashem, comment vas-tu? Baruch Hashem. Cela vient de Yitro, sachez-le. Et c'est dans notre paracha de la semaine. C'est Yitro qui l'a dit la première fois à Baruch Hashem. Et depuis Yitro, eh bien, nous le disons. Yitro, c'est celui par qui tout arrive. Et vous allez le voir. À travers l'enseignement du Rabbi de Lubavitch, nous allons le voir. C'est pas par Aaron, c'est pas par Moshe. Vous imaginez un petit peu, le Zohar à Kadosh nous dit que la Torah elle a été donnée quand Yitro est apparu dans l'histoire. Pas quand c'est Moshe, pas quand c'est Aaron, c'est... quand Yitro est arrivé, là, à ce moment-là, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'est répandu sur notre terre à nous. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu est descendu ici-bas. Et la Torah a été donnée afin de permettre le dévoilement de tout ce niveau de divinité qui se trouve dans les mondes supérieurs. Et tout cela grâce et par le mérite de Yitro. C'est ce que nous allons développer ensemble ce soir. Comprendre qu'est-ce qu'il a de si particulier, Yitro. Yitro Kohen Midian. Ensemble, juste après... ces quelques notes de musique, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Oui. Et puis, ce qu'on dit Baruch Hashem, eh bien, chantons Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, aïe, 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem, aïe, 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 aïe. Baruch Hashem, Baruch Hashem, di da da da, ya da 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 da. Baruch Hashem, Baruch Hashem, di da da da, ya da 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 da. Baruch Hashem, Baruch Hashem, di da la la, ya da ya da. Baruch Hashem, Baruch Hashem. La 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem. La 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem. La 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ay da 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 ya ya Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tira da 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 da, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tira da da ya ya, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ay tira la 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 la, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Da 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 da, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tiri da da da, ya da da da, ya da 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 ya da. Erev Tov Lekulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Mais c'est vraiment sincère quand je le dis, sachez-le, c'est vraiment sincère. J'espère que vous allez bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, liker cette publication. Vous êtes le succès de ce rendez-vous. Donc, ensemble, on va développer ce thème magnifique, qui est l'importance de Yitro. Oh, il apparaît comme ça, on sait que Yitro, il avait 7 noms. Bon, ben, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour savoir que Yitro était si important dans l'histoire du peuple juif? On parle de quelque chose de très important dans notre histoire. Oui, le moment où le peuple juif a reçu la Torah, Matan Torah Tenu. Alors ce soir, il y a aussi une raison pour laquelle c'est très important. Ce soir, n'hésitez pas si vous êtes à la maison. De prendre une petite bougie et de l'allumer, c'est la Iloula de la Rabbanit Chaya Mouchka. Rabbanit Chaya Mouchka, c'est l'épouse du Rabbi de Lubavitch. C'était une figure centrale de la vie du Rabbi. Elle l'accompagnait, elle était avec lui. Pendant toute sa vie, elle l'accompagnait dans tout ce qu'il a pu faire. Le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire que tout ce qu'il pouvait faire, c'est parce qu'il avait à côté de lui cette magnifique femme qui était d'une pudeur et d'une réserve extraordinaire. On ne sait pas grand chose sur elle, tellement elle vivait de manière secrète, cachée,
avec pudeur ce qu'on appelle la tzniout. C'est ce qu'on appelle la rabbanit Chaya Mouchka. Elle aidait son mari, elle l'attendait, il pouvait passer des heures, il pouvait rentrer très 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 tard le soir, on peut dire qu'il rentrait même aux petites heures du matin. Elle l'attendait tranquillement pour partager un thé avec lui, partager quelques mots avec lui. Elle était présente, elle était patiente, elle avait toujours le mot qu'il fallait, elle était aimante, elle était attentive pour les hommes simples, comme ceux qui étaient un peu plus évolués. Elle avait de l'attention, elle avait des mots gentils pour les jeunes étudiants, comme pour les femmes de la communauté, et surtout... C'était une femme qui avait une modestie phénoménale, qui ne jamais voulait jamais que l'on puisse remarquer qu'elle était quelque part. C'était la rabbanit Chaya Mouchka. Alors que ces mots de Torah puissent se joindre, et puisque nous allons étudier ce soir une sicha du Rabbi de Lubavitch, donc quoi de mieux que de dire ces paroles-là de Torah pour sa neshama, et on va dire même plus que cela, pour notre mérite à nous, afin que sa neshama puisse nous accompagner encore et toujours. Je vous rappelle que nous étudions également ce soir pour la bonne santé de Arlette Mazouz Bat-Louise Haddad. Nous étudions aussi pour le mérite de Laurent Baranès. Et nous étudions également Leilou Nishmat, le Rav David Shmuel Ben Avram Zawi. Et nous étudions également Leilou Nishmat Sima Bat-Ester Golda. C'est parti, attachez vos ceintures, ça va être exceptionnel, je vous le dis. C'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez prendre un petit crayon et prendre des notes, n'hésitez pas. Ouais. Alors... Historiquement, vous imaginez le don de la Torah, ce qui fait notre programme, ce qui fait le sentier que nous empruntons tous les jours de notre vie. La Torah, les mitzvot, nous l'avons reçue et elle est décrite dans cette paracha de Yitro. Et pourtant, la paracha ne s'appelle pas parachat Har Sinai, parachat Torah. La paracha, le nom qu'elle porte, c'est le nom de Yitro. Imaginez, le moment où le peuple juif reçoit la Torah, la paracha qui décrit ce qui s'est passé, ne décrit pas ce qui s'est passé, décrit une personne. Qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là qui est si importante au point de prendre le nom de cette paracha? Yitro. Yitro, il était appelé aussi Cohen Midian, le prêtre de Midian. Yitro, il faut le savoir, il va se convertir, il va faire partie du peuple juif. Mais avant cela, c'est le grand prêtre de la Avodah Zara. Il sert toute forme de Dieu. On raconte que Yitro, en fait, il a tout testé. Toutes les formes de religion, toutes les formes de Dieu et de divinité, entre guillemets divinité, il a essayé de les suivre. Il a tout essayé jusqu'au moment où il s'est rendu compte que l'unique, le seul, c'était Dieu. Vous savez qu'il y a pas longtemps, ils ont fait un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un séker en hébreu. Allez, vous m'aidez? Oui, une refoua shelema pour Angie Sarah Bat Chaya Simcha Laurence. Ainsi que Léon Nishmat Chaya Catherine Batester. Alors, essayez de vous rappeler, comment est-ce qu'on... Un sondage, voilà, un sondage aux États-Unis, ils ont fait un sondage. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, si on prenait par exemple des gens qui venaient du monde entier, 95% des personnes, ou 80 ou 95% des personnes qui étaient interrogées, et si on leur demandait, est-ce que vous êtes persuadé qu'il y ait une entité supérieure à notre existence? Okay, on vit dans une société qui nous vend complètement l'inverse. Athée, laïque, il n'y a pas de religion, pas obligé de croire en un Dieu, on vit le moment présent, on est dans le profit instantané, etc. etc. Et pourtant, quand on va voir les gens isolés, on va voir une personne face à face, les yeux dans les yeux, on lui demande « Est-ce que tu penses qu'il y ait une entité supérieure qui est là, qui régit un petit peu tout ce qui se passe sur Terre ?» On ne parle pas de religion, on parle « Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, qu'il y a une force supérieure qui gère toute cette histoire-là. » Eh bien, ils se sont rendus compte, à travers ce sondage, que 95% des gens disaient que oui, il y a une force supérieure. Oui, il y a une force supérieure. C'est-à-dire qu'on est tous conscients de quelque chose de fort, de puissant, une force supérieure. Yitro, lui, cherche, il veut chercher, il veut absolument savoir ce qui se passe. Il veut savoir qui c'est qui gère cette histoire, qui c'est qui gère ce monde, qui c'est qui donne l'impulsion, qui c'est qui donne l'énergie à ce monde-là. Et donc il cherche, et à un moment, Yitro va découvrir. Et non seulement il découvre que c'est Dieu, celui qui a fait sortir le peuple juif, et on va comprendre comment il va le découvrir. Mais la paracha porte son nom. On a besoin de comprendre pourquoi l'histoire de Yitro, elle apparaît précisément dans cette paracha qui concerne le don de la Torah, et pas à la fin de la paracha de la semaine dernière, vous savez, puisque Yitro, a priori, il apparaît dans l'histoire après la sortie d'Égypte. Donc c'est de la semaine dernière dans la paracha de Béchalar. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'Yitro maintenant au moment du don de la Torah? On va essayer de répondre à cela. C'est une question qui est posée par le Rabbi. Et essayer de comprendre également
quel rapport y a-t-il et à quel moment Yitro est apparu dans l'histoire? D'où est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce que Yitro a apporté au peuple juif à travers l'histoire? Qu'est-ce qu'il lui a apporté vraiment? Est-ce qu'il était vraiment primordial? Est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce qu'il était vraiment, comme nous le disons ici dans ce thème-là, celui par qui tout est arrivé? Et vous allez le voir, c'est exceptionnel. Yitro, ça vient d'un mot en hébreu qui veut dire Itaron, l'atout, l'avantage, Itaron, quelque chose de plus, Yeter, quelque chose en plus, Yoter, quelque chose de plus. Yitro, il est venu apporter quelque chose que le peuple juif n'avait pas. Comment est-ce qu'on est capable d'exprimer et de refléter là, ce que Yitro a apporté au peuple, juif dans notre vie de tous les jours? La paracha de la semaine, elle commence par une longue histoire qui se passe dans le campement du peuple juif. La Torah, elle nous décrit cette histoire-là avec plusieurs, hein, elle n'est pas avare de mots, elle rajoute encore un mot, encore un verset qui nous décrit vraiment la rencontre entre Yitro et Moshe, ainsi que tout le peuple juif. Vaishma Yitro Kohen Midian, le prêtre de Midian, Yitro, entend. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend être Kol Asher Asah Elokim le Moshe ou l'Israël Amo, qui aussi Hashem est Israël, Mim Israël. Il entend qu'il y a un Dieu, que ce Dieu-là a fait ce qu'il a fait pour le peuple juif, pour Moshe, pour le peuple juif. Il a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait Yitro? Vaikach Yitro Koten Moshe Tzipora. Vous le savez, Yitro, c'est le beau-père de Moshe. Il va prendre donc Tzipora qui était resté avec son père. Quand Moshe avait fait le voyage pour aller sauver le peuple juif en Égypte, il avait laissé sa femme et ses enfants chez son père, chez Yitro. Et donc il prend Tzipora, la femme de Moshe, il prend ses deux garçons. Et voilà que Yitro arrive avec ses enfants, avec la femme de Moshe, vers le désert, dans ce désert-là, dans lequel tout le monde campait, tout ce peuple juif campait devant le Har Elohim, devant cette montagne-là de Dieu. Moshe, en tant que son beau-père arrive, il va à sa rencontre, il sort à sa rencontre, il se prostère, il l'embrasse, il l'enlace, il se demande comment est-ce qu'ils vont. Et tous ces mots-là sont décrits dans les mots. Dans les psukim, dans les versets de la paracha, vaïtse Moshe ikrat rotno, vaïchtachou vaïchaklo, vaïchalou ishlerou le shalom, vaïavou aela, ils entrent dans la tente, vaïsaper Moshe le rotno, et kol hachera sa lefaro l'imisraim et la Moshe, il va lui servir peut-être un thé, et là à ce moment-là il va tout lui raconter, il veut dire tout ce que Dieu a fait au peuple juif, tout ce qu'il a fait aussi aux Égyptiens, tout ce qu'il a fait à Paro. Et là, Yitro est émerveillé par ce qu'il entend, époustouflé. Et là à ce moment-là, il va avoir la formule. Cette formule-là qu'on a soulevée tout à l'heure, qui est celle de Baruch Hashem. Comment allez-vous ce soir, vous? Eh bien, dites-le-moi dans les commentaires, dites-le-moi. Vous pouvez le dire à la maison, vous pouvez le crier fort, vous pouvez aussi l'écrire dans les commentaires. Dites-moi comment allez-vous. Ben, si vous allez me répondre, logiquement, vous allez me dire, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Oui, c'est une formule qui nous accompagne depuis toujours. Ben, depuis quand? Depuis Yitro. Le pasouk nous dit comme ça, Yomer Yitro, Baruch Hashem, Asher Hitzil, Etrem Miyad Mitzrayim, Miyad Paro. Bénis ce Dieu-là qui vous a sauvé. Sauvé de la main des Égyptiens, de la main de Paro. Atta yadeti, maintenant je sais. Ki gadol Hashem mikol haElokim. Que Dieu-là, il est donc ce Dieu-là, est plus grand que tous les dieux que j'ai pu essayer de trouver moi-même. Vayavo Aaron echol dikni Israël echol lechim imchoten Moshe lifnei Elokim. Et là, comme dans des bons moments, comment est-ce qu'on on célèbre ces grands moments? On s'installe tous autour d'une table. Et là, ils vont s'installer pour manger du pain. Qu'est-ce qu'il entend, Moshe? Qu'est-ce qu'il entend, pardon, Yitro? On lui dit, Vaishma Yitro, il a entendu. Il suffit de voir les commentaires pour comprendre, parce que dans la suite, on voit que c'est Moshe qui lui raconte ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui a fait que Yitro, il s'est dit, il faut que j'y aille là? Qu'est-ce qu'il a entendu? Quel est le texto? Quel est le WhatsApp? Quel est le mail qu'il a reçu? Ouais. Et qui lui a donné envie de se lever là et de partir, de prendre un jet privé, de venir tout de suite chez Moshe et de rencontrer le peuple juif qui est dans ce campement face à cet Har Elohim, à ce Har Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser que Moshe l'a enlacé, qu'il l'a embrassé? Il n'y avait pas le Covid à l'époque, mais quand même, pourquoi? Et c'est intéressant de voir la façon avec laquelle il réagit à ce que Moshe lui dit. Il lui dit, Atayadati, ah maintenant je sais. Maintenant je sais, hein. Ça veut dire que avant j'avais des doutes sur ton Dieu, maintenant je sais, hein. J'ai vu tout ce qu'il a fait aux Égyptiens, maintenant je sais. Waouh! Pourquoi? Alors, on est bien sûr obligé, et c'est ce que tous les commentateurs qu'on va rappeler ici, de dire qu'il y a quelque chose de spécial dans chaque petit détail, dans la description
de cette rencontre entre le beau-père de Moshe et Moshe Rabbeinu. Mais d'où il vient Yitro ? Qui il était et d'où il venait ? Alors les Chachamim nous expliquent dans les Midrashim que Yitro, c'était une des personnes les plus importantes du monde entier. Avec une histoire très très riche qui a commencé depuis l'époque de la Grande Égypte. Elle a continué quand cette grande nation midianite va naître. Cette nation midianite, c'est celle qui est la voisine de l'Égypte. Vous allez voir que les Midrashim font apparaître Yitro bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, on ne connaît pas le peuple de Midian. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ce soir et demain soir, par exemple, il y a peut-être des Tunisiens parmi nous ce soir. Est-ce qu'il y a des Tunisiens dans la salle ? Faites du bruit. Est-ce que vous êtes là ? Bon, eh bien, demain soir, Be'ezrat Hashem, la communauté tunisienne, mais tout le peuple juif, ont l'habitude de manger du pigeon et les pièces montées. Bon, les pièces montées, c'est un petit peu en plus, hein. Mais bon, même si c'est ce qu'on retient, mais on célèbre. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose de très spécial le jeudi de avant Yitro, la veille du Shabbat Yitro. Ok. Est-ce que vous savez que les Druzes en Israël, les Druzes, vous savez qui sont les Druzes ? Les Druzes font partie d'Israël, font partie de l'État d'Israël. Ils envoient leurs enfants à l'armée. Ils ont toujours été très, 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 très proches du peuple juif. Historiquement, toujours. Hein. Ils n'ont pas attendu 1948 pour être proches de l'État d'Israël. Ils ont toujours été très proches du peuple juif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Druzes se réclament de Yitro. Quel est leur grand prophète ? Le prophète des Druzes, c'est Yitro. Et jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent Yitro. Et ils célèbrent, en fonction du calendrier juif, quand la Parashat Yitro arrive, pour eux, c'est un grand jour. C'est un grand jour, Parashat Yitro. Parce que leur grand prophète, c'est Yitro. C'est la raison pour laquelle il y a cette promesse qui a été scellée, ce pacte-là, de suivre ce que Yitro, lui, il a fait quand il est devenu, ensuite, il a décidé de faire partie du peuple juif. Tous ne l'ont pas suivi, mais le lien est resté le même, le respect qu'ils ont. Et puis, ils suivent vraiment ce qu'Yitro a été. C'est intéressant de voir qu'à travers toute l'histoire, cela a suivi. Les Chachamim nous disent que Yitro apparaît dans le Midrash. Écoutez à quel moment. Vayomer Paro el amo avan itrakemo. Vous savez, quand Paro il a commencé à se poser des questions, il s'est dit, bon, il commence à devenir un petit peu trop nombreux, ces Juifs. Ok. Donc, ils vont venir, ils vont prendre tout le pouvoir ici en Égypte. Ok. Donc, il décide de demander conseil, le Midrash nous dit, à plusieurs figures très importantes de l'histoire, afin de prendre conseil et de décider qu'est-ce qu'il allait faire du sort du peuple juif. Et là, il va faire appel à trois personnes, écoutez bien. Bilham, qui va apparaître dans l'histoire du peuple juif un petit peu plus tard, il va appeler Iov, un des prophètes du peuple juif, mais également Yitro. Bilham, lui, il va donner le conseil. Il va donner un conseil, on sait qu'il va mourir un petit peu plus tard. À quel moment, écoutez bien, c'est très intéressant ce détail-là, dans la guerre contre Midian. Iov, lui, ne va pas parler, il va se taire. Et comme il va se taire et comme il ne va pas décourager Paro de faire ce qu'il avait à faire, eh bien, malheureusement, on sait que dans l'histoire de Iov, il va, lui aussi, avoir beaucoup d'épreuves dans sa vie. Yitro, lui, qui est le troisième, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Pardon, excusez-moi. Il décide de s'enfuir. Il s'enfuit, il prend ses jambes à son cou et il court. Lui, il a un grand mérite. Son mérite, c'est que ses enfants, ses petits-enfants font partie du grand Sanhédrin. Vous imaginez ? Qui se trouve à Yerushalayim un petit peu plus tard même. Ce qu'on appelait la Lishkat Hagazit. C'est quand même énorme, non, d'avoir ça comme mérite. Paro, il a appelé Yitro, il a appelé Iov afin qu'il puisse le conseiller. Yitro lui a dit comme ça. Si vraiment mon maître, Paro, veut entendre mon conseil, qu'il ne fasse aucun mal au peuple juif. Pourquoi ? Parce que le peuple juif a décidé, Akadosh Baruch Hu, a décidé de choisir le peuple juif comme étant son peuple, le peuple élu. Et il a décidé qu'il allait devenir, donc, ce peuple juif, les représentants de sa volonté, ce peuple-là qui va amener la lumière à l'humanité. Et de la même manière que Paro avant et que Avimelech avant ont voulu faire du mal à Avraham, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont voulu faire du mal à Rivka, ils n'ont pas réussi à le faire. Que ce soit Avraham à Yitzhak, et qu'ils ont été punis pour cela, sache que toi aussi, tu vas être puni. Ça, c'est ce que Yitro va lui dire. Paro s'énerve quand il entend ça. Yitro sent que la colère de Paro risque de tomber sur lui. Et là, il va s'enfuir. C'est ce qui va se passer d'ailleurs avec Moshe Rabbeinu aussi.
rappelez-vous, dans l'histoire. Donc le Midrash, ici, nous décrit Yitro comme, un, une personne très très importante, qui était même une personne qui avait la possibilité de conseiller Paro à travers l'histoire, dans une période la plus difficile de l'histoire du peuple égyptien. Deuxième chose, le Midrash nous décrit Yitro comme un homme qui est puissant et qui est droit et qui sait décider ce qu'il faut et qui est prêt même à payer un prix fort pour sauver le peuple juif. C'est le seul des trois, d'entre Bilam et Yov, qui va prendre cette décision. L'Echaim. Lorsque Yitro s'enfuit de Paro, il arrive à Midian. Alors, tout le monde le respecte, parce que c'est un homme de grande valeur. Il est nommé le grand commère, le grand prêtre de tout Midian. Il devient même un des hommes de religion qui est respecté, le plus respecté du monde entier à cette époque. Mais Yitro n'est pas tranquille. Il ne trouve pas de sérénité parce qu'il est dans cette quête perpétuelle et il cherche vraiment à comprendre quel est le vrai Dieu qu'il doit servir. Il n'est pas tranquille. Et tout en étant le grand prêtre, reconnu mondialement, il ne cesse de chercher. Il approfondit sa quête et sa recherche. Il cherche le Dieu de la vérité. Il ne se soumet pas à cette Avodah Zara midianite, et il ne supporte pas ça. Le Midrash nous dit que Yitro, lui, avait goûté à toutes les idolâtries qui existaient sur Terre à cette époque-là. Il a tout essayé, il n'a jamais trouvé de sérénité. Et puisqu'il s'était tant fatigué, il a fait savoir à tout son pays qu'il commençait à être un peu trop fatigué, et qu'il décidait de prendre sa retraite, et à travers cette retraite-là, il va décider de se rapprocher un petit peu plus de Dieu. Ses élèves ne supportent pas ce qu'il est en train de leur dire. Ses élèves, toutes les personnes qui le suivaient, ils décident donc de le mettre en quarantaine. Lui et ses filles. À tel point qu'il ne peut même plus profiter de toute l'infrastructure qu'il y a dans la ville, de l'endroit où il habitait, à tel point que même les filles n'ont pas la possibilité qu'ils s'occupent du troupeau, de leur père, d'aller amener leurs bêtes pour pouvoir s'abreuver dans toute l'eau qui était distribuée, qui était faite pour les gens du village, les gens de la ville. Elles étaient obligées d'aller ailleurs, à l'extérieur de la ville, pour pouvoir donner à boire à leurs troupeaux. C'est justement à ce moment-là que Moshe Rabbeinu, lui, va rencontrer ces filles-là devant le puits, qui va les aider. Et à ce moment-là, quand il les aide, ils font connaissance, et là c'est le coup de foudre. Et puis il décide de se marier avec Tzipora, puisqu'il va aller chez Yitro. Yitro va lui donner à manger, il va lui donner le couvert, il va même lui donner un petit lit avec une bonne couverture pour dormir. Et de ce moment-là, c'est à ce moment-là que toute l'histoire arrive, il va se marier avec sa grande fille, Tzipora, sa fille aînée. Le Midrash Rabbah nous explique un petit peu cette histoire, regardez un petit peu, c'est très intéressant. Cohen Midian, le prêtre de Midian qui était Yitro, avait donc 7 filles. Moshe s'est marié avec l'aîné. Akadosh Baruch Hu, lui, ne supporte pas la Avodah Zara. Et donc il donne un refuge à Moshe chez une personne qui, elle, à ce moment-là, était quand même celle qui servait une Avodah Zara. Comment est-ce possible que dans l'histoire, Moshe Rabbeinu va trouver refuge chez une personne qui fait Avodah Zara? Les Rachamim nous expliquent qu'en fait, Yitro, lui, qui était un grand prêtre de l'Avodah Zara, a fait Teshuvah avant que Moshe arrive. C'est la raison pour laquelle Moshe, quand il arrive, déjà à ce moment-là, il peut se présenter à lui, et déjà à ce moment-là, il peut faire connaissance avec sa fille. Donc au moment où il rencontre sa fille, Yitro a déjà fait Teshuvah quelque part, il est déjà sur la direction de la foi avec Dieu, de Dieu. Après que Moshe ait vécu plusieurs dizaines d'années à Midian, il reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, quand il se promène et qu'il voit le buisson ardent. Il se promène et il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça ne se consume pas? Eh oui, vous savez cette magnifique chanson qu'on aime bien chanter. Vous voulez qu'on la chante un petit peu? Oui. Un petit peu alors. Vine asne boer,
Ve'asenenu kal. Ve'asenenu kal. Asneboer, 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 ba'esh, ve'asenenu kan. Il se dit, mais ce buisson-là, il brûle. Et il ne prend pas, il ne se brûle pas, il ne se consume pas. C'est là qu'il rencontre Dieu, Moshe. Et là, à ce moment-là, de ce buisson-là, il y a une voix qui vient et qui parle à Moshe, qui lui dit, Moshe, tu vas sortir le peuple juif d'Égypte. C'est là qu'il prend connaissance, qu'il fait connaissance avec Dieu. Là, Moshe, il va voir son beau-père, après avoir vécu 10 ans là-bas, et lui dit, écoute, Dieu a besoin de moi, mon peuple a besoin de moi, il crie, il me veut. Je vais devoir partir. Je vais devoir partir. Au début, il prend sa femme et ses enfants, au milieu de la route, il se dit non. Non, ils vont trop souffrir avec moi. Hop, il retourne et il les renvoie chez son beau-père, chez Yitro, à Midian. Et Moshe va continuer seul sa route pour aller sauver son peuple. Moshe Rabbeinu. Après ces dizaines d'années là de route, le âme Israël, lui, va recevoir Moshe comme une bénédiction. Bon, pas tout de suite, hein, vous vous en souvenez dans l'histoire. Ils ne l'acceptent pas tout de suite, ils le remettent en question. Et ensuite, ils vont l'accepter. Et lui, il va se battre auprès de Paro. L'Echaim, l'Echaim. Depuis l'époque du Talmud, nos grands sages, nos grands maîtres, essayent de comprendre cette histoire qu'on a essayé d'écrire à travers les mots du Midrash, mais qui ne nous dit pas vraiment à quel moment Yitro vient. Hein? On sait que Moshe vient, mais Yitro, quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient avant la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, juste au moment de Matan Torah, est-ce qu'il est là avant ou pas? Quand Yitro abandonne sa maison et qu'il prend la route vers le désert pour rencontrer Moshe, ça se passe quand? Alors, il y a différentes références. Prenons par exemple la Gemara Zevachim, un traité du Talmud. Là-bas, il est dit comme ça. Les enfants de Rabbi Chia et Rabbi Yehoshua, le fils de Lévi, s'expriment à ce sujet. Il y en a un qui dit que Yitro, lui, il est venu après Matan Torah. Et il y en a qui pensent, comme les enfants de Rabbi Chia, qui disent que Yitro est arrivé avant Matan Torah. Alors, sur quoi est la question ici? Si on regarde le Chumash, est-ce qu'on est capable de savoir à quel moment ça se passe? Alors on va essayer de s'aider de quelques Midrashim. On va rapporter le Ibn Ezra. On va rapporter aussi le Ramban, Nachmanid. Commençons par Nachmanid. Le Ramban lui pense que ça s'est passé avant Matan Torah, que Yitro est arrivé. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand on lit le texte, on voit très bien qu'il est écrit « Vaishma Yitro, kol asher asa Hashem le Moshe le Israël amo, ki yotzi Hashem et Israël mitzraim. » Le texte nous dit, le verset le dit clairement, Yitro entend ce que le peuple juif a eu en sortant d'Égypte, c'est-à-dire les miracles que Dieu a fait au peuple juif. Et donc, on imagine que ça s'est passé donc avant Matan Torah. Pourquoi est-ce qu'il a dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit en fait qu'il avait entendu ce que les bénis Israël avaient reçu la Torah? S'il n'a pas fait référence le verset au fait que les bénis Israël aient reçu la Torah, c'est que quelque part Yitro arrive avant le don de la Torah, puisque c'est considérable, c'est un événement essentiel dans l'histoire du peuple juif. Si on parle de la sortie d'Égypte et quand on ne parle pas encore du don de la Torah, quand on nous décrit l'arrivée de Yitro, Nachmanide nous dit, eh bien c'est logique de dire que Yitro arrive juste après la sortie d'Égypte et juste avant le don de la Torah. Si on regarde bien aussi l'ordre des parachiotes, des sidrotes de la semaine qui décrivent l'histoire, eh bien on voit que l'histoire de Moshe, de Yitro, elle arrive juste avant Matan Torah, puisque dans la même paracha, on nous raconte qu'Yitro arrive et juste après on nous dit que les bénis Israël vont recevoir la Torah. Et la Torah elle-même, elle nous raconte que Yitro a été émerveillé de la sortie d'Égypte. Mais elle ne nous parle pas du tout de ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Vous imaginez que quelqu'un comme Yitro, qui était un homme d'esprit, un homme de philosophie, un homme qui recherchait, un homme qui était intellectuellement très élevé, même au-dessus même de toute la moyenne à l'époque, imaginez bien qu'un événement comme celui de la Torah, qui touche l'intellect, aurait dû faire quelque chose chez lui, au point d'en parler. Qu'est-ce que dit le Ibn Ezra? Ibn Ezra, il dit non. À mon avis, non. Yitro, il est venu la deuxième année, écoutez bien, après que le Mishkan ait été monté. Bien après. Parce qu'il est dit dans la paracha, « Ikach Yitro choten Moshe olaus vachim lelokim ». Il dit que Yitro est venu, il a amené des korbanot, des sacrifices, des offrandes pour Dieu. Donc il dit, mais comment est-ce qu'il peut apporter des sacrifices pour Dieu? Il faut qu'il y ait le Mishkan.
Il ne précise pas dans le texte que Yitro a construit un misbéach nouveau sur lequel il aurait la possibilité d'apporter ces sacrifices-là. Donc, de cela, Ibn Ezra lui apprend et dit, a priori, cela se passe donc après. C'est sa référence à lui. Donc, selon l'avis qui pense que ça s'est passé après, Matan Torah, on a différentes preuves. La première preuve, c'est qu'il parle de ce Hara Elohim, de cette montagne de Dieu, qui devient la montagne de Dieu parce qu'en fait, avant Matan Torah, eh bien, ce n'était pas considéré comme la montagne de Dieu. Elle devient la montagne de Dieu parce que le don de la Torah a été donné là-bas. La Torah nous raconte que Yitro lui-même a amené ses corbanotes sur un misbéar, sur un hôtel qui était déjà construit, donc déjà existant, donc on est obligé de dire que ça se passe après. Et une autre preuve que Ibn Ezra rapporte, c'est que Moshe a enseigné au peuple juif sa Torah bien avant, quand je dis sa Torah, c'est-à-dire plusieurs notions de Torah, bien avant le don de la Torah. Mais avant le don de la Torah, Moshe n'avait pas de Torah véritable à leur enseigner. Il avait quelques principes à leur donner, mais pas toute la Torah. Et puisqu'on est là déjà après qu'il aurait enseigné ce qu'il pouvait leur enseigner depuis de la Torah qui aurait été reçue au moment du don de la Torah, donc d'après Ibn Ezra, on est obligé de dire que Yitro arrive après le don de la Torah. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui a émerveillé autant Yitro? Pourquoi est-ce que Yitro sort de ses limites? Il sort, il entend ce qui se passe, il se dit « je ne peux plus rester où je suis ». Il prend sa femme, il prend ses enfants, il prend ses enfants, ses petits-enfants, et il se met en route. Imagine un petit peu ce que ça veut dire. Aller prendre la route dans un grand désert. Imaginez ce que ça veut dire à l'époque. Vers l'inconnu. Parce qu'il a entendu quelque chose. Et au point de dire, Atayadati, maintenant je sais, maintenant je reconnais, qui gadol Hashem Mikol Hayokim, que Dieu est grand. Qu'est-ce qu'il a entendu, Moshe? Qu'est-ce qu'il a rendu? Qu'est-ce qu'il a mis dans un tel état, au point de se lever et de partir? Le texte nous le dit. Vaishma, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, le texte nous dit comme ça. Les Mefarshim disent, première chose qu'il a entendu, Milchemet Amalek. Il a entendu cette guerre là contre Amalek qui a eu lieu à un moment. Et il s'est dit, s'il y a eu cette guerre-là, c'est que quelque part, et que le peuple juif a gagné cette guerre-là, je me rends compte que ce Dieu-là, il est exceptionnel. Il est sorti d'Égypte, il leur permet de gagner la guerre contre Amalek, je vais voir ce qui se passe. Il y a un autre avis, c'est Rabbi Elazar Amoudaï qui le dit. Il dit, il a entendu Matan Torah. Écoutez bien ça. Rabbi Elazar Amoudaï dit que Yitro a entendu le don de la Torah. Donc comme il entend le don de la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la route et il vient. Donc Yitro vient donc après le don de la Torah. Il y a un autre avis. Cet autre avis qui vient du Midrash Mechilta également, qui rappelle l'avis de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a entendu, Vaishma Yitro? Il a entendu ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Il a entendu que la mer s'est séparée en deux. Et les Chachamim nous disent que ce n'est pas seulement la mer Rouge qui s'est séparée en deux, mais toutes les mers et tous les fleuves du monde entier se sont séparés au moment où le Yam Souf s'est séparé en deux. Il a vu ce miracle extraordinaire, il s'est levé, il a dit, maintenant je sais que c'est Dieu, le Dieu des Juifs, qui est le plus grand, le plus puissant. Vaishma Yitro, Rashi nous dit, c'est les deux. La mer Rouge, mais aussi la guerre contre Amalek. Donc la Torah nous l'écrit clairement, qu'il s'est émerveillé des miracles de la sortie d'Égypte, mais le Midrash ne se suffit pas de ça, et il nous rajoute quelque chose, la guerre d'Amalek, Matan Torah et Kriyat Yam Suf. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial, Yitro? Pourquoi est-ce qu'Yitro a besoin de ces trois événements-là? Ce mythe-là qui aurait pu rester un mythe de la sortie d'Égypte, mais qui va devenir ancré dans l'histoire du peuple juif, c'est quelque chose que Yitro va venir et il va permettre, en fait, à cet événement qui peut paraître anecdotique, ou même qui peut paraître juste comme un mirage, comme une petite histoire qu'on pourrait raconter aux enfants et qui pourrait juste une fable. Les Chachamim nous disent à travers tous ces avis différents que la sortie d'Égypte, que la mer se soit coupée en deux, que les bénis Israël aient reçu le mérite de pouvoir combattre Amalek et de réussir à gagner cet ennemi-là, terrifiant, que les bénis Israël aient pu recevoir la Torah. Ces trois événements ont la même force. Et Yitro est venu témoigner que tout est aussi fort l'un que l'autre, que le don de la Torah est aussi vrai que la guerre qu'ils ont gagnée contre Amalek, et que la guerre contre Amalek est aussi vraie
que cette Kriyat Yam Suf, ce moment où la mer s'est scellée en deux. Et puisque toutes les nations du monde ont vu que la mer s'est scellée en deux, puisque tous les fleuves du monde entier, eux aussi, se séparaient en deux, ces mêmes nations étaient en mesure de croire et d'être capables d'accepter ce qui s'est passé au niveau d'Amalek, mais également au niveau du don de la Torah. Et donc l'un va avec l'autre. Et c'est ce que le Rabbi de Lubavitch ici nous dit ici. Chaque chose a apporté, chaque élément, chaque événement est venu apporter quelque chose de plus. Trop, lui, vient en fait, il est central dans notre histoire. Il vient pour nous dire « Gadol Hashem Mikol Elokim ». Je vais le dire, je vais le proclamer devant tout le monde. Ça suffit de vivre juste comme ça, avec sa foi cachée, voilée. Non, 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 je vais le dire à tous, que tous sachent qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde, qu'on a tous une mission sur cette terre, de faire de ce monde-là un monde meilleur, de suivre les enseignements de Dieu, de se comporter comme il faut. Et ce Dieu unique, c'est Dieu, le Dieu Hashem ou Elohim. Il vient en fait, Yitro, à ce moment-là, renforcer et encourager le peuple juif. Imaginez un petit peu, c'est-à-dire que ce qui vient à ce moment-là renforcer le peuple juif, c'est Yitro qui ne fait pas partie du peuple juif à ce moment-là. L'Echaim, l'Echaim. Une fois qu'on a compris qui était Yitro et quelle était sa valeur, on peut essayer de répondre aussi pourquoi son histoire est si importante. Pourquoi est-ce que la Torah lui donne tellement d'importance ? À tel point que notre paracha prend son nom, vous vous souvenez de cette question-là. On l'appelle la paracha Yitro, alors que c'est la paracha où on reçoit la Torah. Le rabbi de Lubavitch nous donne une réponse exceptionnelle. Il dit qu'on peut le voir dans les mots du Zohar. Quand Yitro, la première chose qu'il va dire, c'est Baruch Hashem, Baruch Hashem, à ce moment-là, il est en train de prendre conscience que l'infini du Saint béni soit-il est en mesure de pouvoir descendre sur cette terre-là. Il avait quelque chose de spécial. Jusqu'à ce jour, lui, il avait des croyances. Et ces croyances-là dépendaient de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait, de ce qu'il était capable de voir, une statue, un dieu, un autre dieu. D'un coup, d'un seul, il se rend compte que non. La force de divinité qui crée ce monde-là, cette forme d'infini, l'infini du Saint béni soit-il, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de présent, qui n'a pas de futur, qui n'a pas de passé, puisqu'il est intemporel. Il prend conscience là, de cette transcendance-là, il est donc transcendé par cette force-là, et il va à ce moment-là dire le mot Baruch. Baruch, c'est un mot qu'on prononce dans toute notre vie. Baruch, c'est la formule qui nous permet de faire descendre l'infini du Saint béni soit-il en nous, dans notre fort intérieur, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. À chaque fois qu'on est en contact avec quelque chose, à chaque fois qu'on va devoir et qu'on va pouvoir accomplir une mitzvah, à savoir de s'attacher avec Dieu, on va prononcer cette lettre. Ces lettres-là qui proviennent de ce mot-là, que ces mots-là ont été prononcés par Yitro. Il va dire Baruch. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il va dire Baruch ? Baruch, c'est le moment où on est mamshir, qu'on fait descendre l'infini du Saint béni soit-il ici-bas. L'infini, l'illimité, le spirituel, Dieu lui-même, on le fait descendre, on le révèle, on le dévoile aux yeux de tous. On le dévoile à nos propres yeux, on en prend conscience. Ça devient quelque chose qui fait partie de notre vie. Ce n'est pas Dieu et moi. Non, ce que je fais, la façon avec laquelle je respire, la façon avec laquelle je me comporte, je vis, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce à quoi je pense, tout ce que je ressens dans ma vie, est influencé par quoi ? Par cette connexion que j'ai avec Dieu, par ce Baruch-là. Le Zohar nous dit, à ce moment-là précis, Yitro, il donne le pouvoir quelque part, il permet à tout ce qui est en haut de descendre en bas. Tout ce qui est dans le supérieur, dans cette notion-là qui dépasse les limites de la matérialité du monde et de sa grossièreté, tout ça, cette séparation, elle s'enlève. Et ça nous fait penser tout de suite à ce qui va se passer à Matan Torah. Parce que le don de la Torah, c'est justement ça. On l'a dit, on l'a étudié ensemble cette semaine. Les patriarches aussi accomplissaient la volonté d'Hachem. Adam accomplissait la volonté d'Hachem. Noach a accompli la volonté d'Hachem. Dans la Torah, il y a quelque chose de spécial. La Torah qu'on reçoit au Har Sinaï, c'est je suis en mesure de vous dire que vous êtes en mesure, vous aussi, de vous connecter avec moi, à moi. Vous êtes en mesure de faire descendre cet infini du Saint béni soit-il, ici-bas dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de détaché. On vit le message d'Hachem. On vit Dieu. On est transcendé par son message.
C'est pas un mode de vie, c'est pas un mode de pensée. C'est ma vie quotidienne, c'est mon oxygène, c'est mes émotions, c'est ce que je ressens, c'est les battements de mon cœur. C'est ma vie. Mais être capable de dire que notre vie, c'est de la sainteté, c'est de la pureté, c'est de la divinité, ça, c'est le don de la Torah qui nous a permis de l'avoir. Et qui c'est qui nous donne ce top départ? C'est Yitro, quand il dit Baruch HaShem. Baruch HaShem, le Zohar nous le dit, c'est à ce moment-là qu'il a permis, à travers le don de la Torah, d'amener ce dévoilement ici-bas, la perfection totale, la finalité même de ce que tu as voulu. Et là, c'est exceptionnel. C'est pas Moshe qui nous apporte ça, c'est pas Aaron, c'est pas David, c'est pas Shlomo Ameler, c'est pas Yitzhak ou Yaakov, hein. C'est Yitro. Pourquoi Yitro? En fait, Yitro va dévoiler quelque chose, il va découvrir quelque chose que souvent les hommes érudits, pas souvent, trouvent. Parfois, c'est quelqu'un d'extérieur qui a cette simplicité, cette authenticité-là qui est capable de percevoir. On peut étudier des heures, des années, et ne pas percevoir, ne pas être touché, de ne pas être sensibilisé par ce que veut dire au Dieu qui vibre en moi. Yitro, lui, il a compris. Il voit ce que c'est la force de Dieu. Il voit même plus loin que ce que les bénis Israël vont voir. À tel point qu'Yitro va même devenir le conseiller de Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, tu sais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Yitro va apporter sa sagesse, son regard extérieur, et sa prise de conscience et son recul va lui permettre de voir vraiment la force inouïe de Dieu. Ce que les bénis Israël n'avaient plus la force de voir eux-mêmes par leurs propres yeux. En fait, Yitro, il a été capable de montrer au peuple juif que la Torah, elle pouvait aller dans chaque endroit, dans chaque endroit et dans chaque espace, et elle pouvait aussi avoir la possibilité de changer, de transformer le monde. Et c'est ça qu'il a vu de spécial. Il a vu que étudier la Torah, vivre selon les préceptes et les recommandations de la Torah, ça pouvait nous permettre de transformer l'existence, transformer l'humanité, transformer le monde. Il a entendu les mots de Torah et il lui-même a changé complètement. C'est pas non seulement qu'il a été contre cela, c'est pas qu'il a combattu, il est devenu quelqu'un d'autre. Il ne l'était pas et il va commencer à faire partie du peuple juif. Il devient juif. Il se convertit. Et depuis que le monde a été monde, jusqu'à cet événement-là, il n'y a personne qui avait fait cette démarche que Yitro avait fait. Parce que jusqu'à maintenant, il faut savoir que le peuple juif, lui, à chaque fois qu'il était face à quelqu'un qui était contre lui, il est parti le combattre. Quand Amalek arrive et veut combattre le peuple juif va au combat et il le décime et le détruit. Lorsque Paro est confronté au peuple juif et que le peuple juif est confronté à Paro, à un moment donné, qu'est-ce qu'on décide de faire? De décimer, de détruire Paro. Là, on a Cohen, Midian, le grand prêtre de Midian. On a Yitro qui représente tout ce qu'est Avodah Zarah, c'est-à-dire toutes les forces contraires spirituelles qui existent sur Terre à cette époque-là. Et cette force-là, non seulement on ne la combat pas, non seulement elle ne va pas combattre le peuple juif, mais elle va devenir, elle va se transformer, elle va devenir celle qui elle-même va reconnaître la sainteté. Elle va prendre part à cette sainteté-là. Elle va montrer au monde entier et leur dire, « Ata yadati, maintenant j'ai vu qui était Dieu, que Gadol Hashem Ikola Olakim. » Yitro, ça vient aussi du mot « itaron ». Nous l'avons dit tout à l'heure en introduction. Ça veut dire quelque chose en plus. Pourquoi quelque chose en plus? Parce que vous connaissez ce principe, on le développe à longueur de cours. La particularité qu'il y a dans l'obscurité face à la lumière, la particularité qu'il y a dans la joie quand elle vient après la tristesse, la particularité qu'il y a, la supériorité, l'atout et l'avantage qu'il y a. Lorsque de cette obscurité-là, je fais une lumière, c'est pas une torche que j'amène dans une pièce qui est déjà éclairée. C'est que j'amène une petite lumière et dans cette obscurité, je fais que cette obscurité, ça devienne une entité lumière. C'est pas autre chose. L'obscurité, c'est la lumière. Et je dévoile cette lumière-là. Yitro, c'est cet atout-là. C'est cette capacité-là de dévoiler l'avantage, l'atout qu'il y a dans l'obscurité parce que je peux en faire de la lumière. Être capable de sanctifier, être capable de raffiner, être capable de trier le bien du mal, être capable de voir ce qui est obscur et de voir que je suis capable d'en faire la lumière. Ça, c'est le départ, c'est le commencement, c'est ce qui va permettre de préparer quelque part le peuple juif à ce qui va se passer juste après, à savoir recevoir la Torah. Il est mis dans une disposition.
Il leur dit, sachez qu'avec cette Torah que vous allez recevoir, vous allez avoir un but. Le but, ça va être de transformer le monde. Faire en sorte que ce monde-là dans lequel vous vivez ne soit plus du tout le même. Dévoiler quelque chose de profond, de spirituel et de saint qui est en vous. Nous l'avons dit aujourd'hui, c'est Chav Bet Shvat, le 22 Shvat. L'Aïloula de la Rabbanit Chayamushka, l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Vous savez que quand on lui a posé la question, quand des enquêteurs lui ont posé la question un jour, ils lui ont dit, mais comment est-ce que vous décrivez, votre père qui était le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch? Comment est-ce que vous êtes capable de décrire qu'est-ce que ça veut dire le lien qu'il a avec ses élèves? C'est d'ailleurs ce qu'elle disait aussi aux personnes qui lui disaient, mais vous n'avez pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle répondait, la rabbanite? Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, le rabbi n'a pas eu d'enfant. Elle répondait, les enfants du rabbi, ce sont ses élèves et ceux qui suivent ses enseignements. Et ils en ont eu, Baruch HaShem, jusqu'à aujourd'hui, des élèves et donc des enfants. La rabbanite, elle donnait sa vie pour ce que le peuple juif devait être, à savoir de faire en sorte que ce monde-là soit un endroit où Dieu il se dévoile et qu'il est un endroit où il soit encore plus kadosh, encore plus saint, encore plus pur. Ça a été tout le combat du rabbi toute sa vie, et jusqu'à aujourd'hui, maintenant aussi, encore plus qu'avant. De faire de ce monde-là un lieu de demeure pour Dieu, afin que Dieu se dévoile, que la sainteté soit présente, qu'on vive dans un monde qui soit meilleur, qui soit bon, qui soit beau. Elle a répondu, tous les livres, tout ce qui appartient a priori au rabbi Yosef Yitzhak, ça ne lui appartient pas, mon père. Tout appartient à ses élèves. Parce que la Torah, elle est là pour quoi ? Pas pour être acquise, pas pour qu'on puisse la garder, elle est là pour être transmise, pour être vécue. C'est quelque chose qui respire, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui fait naître, qui dévoile des saintetés, des étincelles divines qui se trouvent partout dans l'humanité tout entière. Et donc à chaque fois qu'on se comporte en fonction de ce que la Torah nous demande, on réussit cela, à élever cette sainteté-là, à accomplir cette volonté-là. Le Midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu est monté, vous savez, il est monté en haut pour recevoir la Torah. Alors les malachés acharètes, les anges qui accompagnent, vous savez, chaque mitzvah que nous faisons. Ces anges-là qui sont en haut, ils sont venus chez Dieu, ils ont dit, mais Ribono shel Olam, maître du monde, tu vas donner la Torah à cette personne-là qui est née de chair et de sang, d'une maman qui l'a mis au monde. Nous qui sommes des êtres exquis, raffinés, on n'est pas du tout descendus dans la matière, on est spirituels, c'est à nous qu'il faut donner la Torah. C'est pas possible. Cette Torah-là que tu as cachée, que tu as gardée bien au chaud pendant 974 années, celle-ci-là, avant de créer le monde, hein, tu es capable de la donner à qui ? À un homme de chair et de sang, mais c'est pas possible. Tenao de Khalashlamaim, donne ta splendeur au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe ? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe ? Il s'est tourné vers Moshe, il a dit. Vas-y, réponds-leur. Est-ce que tu es capable de leur répondre? Et là, Moshe Rabbeinu a dit comme ça, il a dit, mais Ribono shel Olam, maître du monde, j'ai peur, tu me demandes de leur répondre, mais si je leur réponds, mais ils vont me brûler. Ils ont un pouvoir extrêmement fort, ils me dépassent complètement, je suis qu'un homme matériel, physique. Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, tu sais ce que tu vas faire? Attrape mon trône, ok, céleste, et de cette façon-là, je te protégerai. Tout se passera bien. Et réponds-leur. Alors, vous savez ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça. Torah, la Torah Shatam Teni Maktiv Be. Il a dit, la Torah que tu vas me donner maintenant, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit, Anochi Hashem Elokecha Shaotseti Chameret Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ok, parfait. Alors, il s'est tourné vers les Malachim, les anges, il leur a dit, mais vous étiez en Égypte? Vous avez subi, vous, ces 210 ans d'exil? Est-ce que vous avez subi ça? Non. Bon, alors voilà. Vous voulez recevoir une Torah dans laquelle il est décrit une situation que vous n'avez même pas vécue? Il leur a dit ensuite, vous avez vu ce qu'il a dit juste après? Il a dit, « Loye lecha elokim achirim. » Il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Mais vous, est-ce que vous êtes confronté à cette situation? Est-ce que vous êtes confronté dans votre vie à des forces extérieures, à des tentations extérieures? Est-ce que quand vous levez le matin, vous avez la possibilité de vivre une existence qui doit être quoi? L'obsession de gagner bien sa vie, d'avoir beaucoup d'argent, de posséder, d'avoir, de jouer au poker, de passer du temps à rien, à profiter de la vie? Non, vous n'avez pas tout ça. Ouais, vous n'avez pas tout ça, donc vous êtes pas tenté. Nous, on est tenté. Donc quand dans la Torah, on nous dit « Fais attention, ne sois pas tenté et suis ton Dieu », ça nous parle.
À vous, ça vous parle moins. Ça, c'est la réponse que Moshe Rabbeinu a fait. Et ensuite, quand il continue encore, il a dit, mais il y a marqué quoi dans les 10 commandements? Qu'il ne faut pas tuer. Mais vous allez tuer qui? Et puis, il ne faut pas faire de faute d'adultère. Mais vous n'êtes pas confronté à cette situation, vous n'avez pas ce problème-là, vous n'avez pas de tentation ni de pulsion. Donc la Torah ne vous concerne pas. La Torah, aussi spirituelle, aussi saine et au pur qu'elle puisse être, elle concerne des hommes qui sont faits de chair et de sang, qui ont tout ça en eux, qui en eux et qui sont et qui dépendent de ce libre-arbitre. La possibilité de faire du mal et faire le choix de faire du bien. Donc tout le but de Matin Torah, du don de la Torah, c'est de nous donner des outils qui vont nous permettre de maîtriser ce mauvais penchant et de changer ce monde matériel dans lequel nous vivons. Et le rabbi de dire, Yitro, à ce moment-là, va montrer que ça, c'est possible. Avant Yitro, on n'a pas l'impression que c'est possible. Avant Yitro, on a l'impression que pour vivre comme un juif religieux, un juif qui suit la volonté de Dieu, il faut s'enfermer dans une petite grotte, s'écarter ou bien aller en haut des montagnes, tout au sommet de l'Himalaya, s'isoler et se dire, voilà, je suis un être spirituel et je me spiritualise. Voilà. Je me détache de la matière. Viens, Matan Torah, et viens surtout Yitro, et nous dit, hey, sachez que la Torah, elle vous a été donnée à vous dans ce monde-là, matériel, physique, et c'est dans ce monde-là que vous allez accomplir cette Torah-là. Cette proclamation que Yitro va faire, elle va pas rester juste dans le campement juif, à ce moment-là. Il faut savoir qu'elle a laissé une trace sur le monde entier. Elle a créé des vagues, des torrents, des tsunamis sur le monde entier, sur l'humanité tout entière. À ce moment-là, le monde a été capable de recevoir la lumière de Dieu au moment du don de la Torah. Vous connaissez l'histoire, et on terminera avec ça, de Onkelos. Qui était Onkelos? Onkelos, c'est celui qui a traduit le Chumash, et la Torah, la Kabbalah nous dit qu'il y a quelque chose de très 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 fort dans cette traduction-là d'Onkelos, que vous trouvez dans toutes les éditions quasiment de Chumash, quand vous étudiez le Chumash. Il y a sur le côté là, ces petites lettres-là. C'est la traduction. Targum Onkelos, traduction d'Onkelos. Qui était ce Onkelos? Onkelos, c'est un converti. Il n'est pas juif à la base. Il découvre ce qu'est la Torah et décide de se convertir. Onkelos, un jour, qui décide de rejoindre le peuple juif, il était très très important. Il avait un poste très important dans l'armée romaine. César entend cela, il ne supporte pas entendre ce qu'il entend. Il n'accepte pas que Onkelos puisse partir du côté des Juifs. César va donc envoyer un groupe de vaillants soldats romains afin de le ramener à Rome. Et voilà que le premier groupe arrive, Onkelos leur parle de paroles de Torah, il réussit à les séduire, et tous se convertissent, ils ne rentrent pas, ils ne retournent pas chez César. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit bien sûr qu'il y a eu un souci certainement sur la route. Il envoie un deuxième groupe, ce deuxième groupe arrive là-bas sur place, et là, César leur dit, écoutez-moi bien ce que je vous demande de faire. Je vous interdis de discuter avec lui. Parce que si vous discutez avec lui, vous allez être convaincu. Donc, je vous interdis d'écouter ce qu'il a à vous dire. Ils sont partis. Ils ont réussi à saisir Onkelos et ils ont voulu le faire sortir. Et là, à ce moment-là, il a dit quelque chose de très très fort. Il n'a rien dit d'ailleurs. Il a regardé la mezouza qui était au linteau de la porte. Et il a souri. Alors les soldats qui étaient à côté se sont mis à lui poser la question. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu souris? Quelque chose de marrant. On va te mettre dans les mains de César, qui va te punir. Toi, tu rigoles. Et là, il a dit comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, l'habitude normale, c'est quoi? C'est qu'un roi, il est dans son royaume, et que ce roi-là, qui est dans son royaume, est gardé par des gardiens, et les gardiens sont à l'extérieur du royaume pour pouvoir permettre au roi de rester à l'intérieur et d'être bien gardé. On est d'accord? Les gardiens sont à l'extérieur. Ils ont regardé comment Akadosh Baruch Hu, comment Dieu, le roi des rois, Melech Malach Malach Akadosh Baruch Hu, lui, c'est complètement l'inverse. Tellement il aime son peuple, bien que ce soit lui le roi. Chacune et chacun d'entre nous, chez nous à la maison, on a une petite mezouza. Qui c'est qui nous protège? C'est nous qui protégeons la mezouza ou c'est elle qui nous protège? Chazak. Oui, en effet, qui c'est qui nous protège? C'est la mezouza. Il dit, avec le peuple juif et avec Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, lui, c'est pas lui qui est à l'intérieur et nous à l'extérieur. Nous sommes à l'intérieur et ce qui nous garde, qui est notre gardien, c'est la mezouza, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le roi qui protège ses sujets. Ils ont entendu ça, ils ont dit, c'est pas possible, c'est exceptionnel. Ils ont décidé eux aussi de se convertir. Quand César a vu ça,
La Gemara Avodah Zara nous dit qu'il a envoyé plus, il a plus envoyé personne. Il a compris que c'était fini, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire-là? Il y a qu'en fait, il faut comprendre bien une chose. Qu'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de tout, à un moment précis, pour nous faire prendre conscience, nous, de la valeur qu'on est censé avoir, il y a Yitro qui arrive. Yitro qui va nous dévoiler, nous dévoiler la supériorité qu'il y a, l'atout et l'avantage qu'il y a dans cette lumière-là qui vient de cette obscurité, qui est dans cette obscurité. Et notre but, ça va être d'amener cette lumière de Dieu dans tous les endroits aussi bas et dans les contrées aussi lointaines, afin de faire en sorte que ces endroits-là qui nous paraissent obscurs puissent devenir des sources de lumière, parce qu'il y a cette lumière à l'intérieur. C'est l'intention première que Dieu a eue, c'est l'intention première que Yitro a voulu révéler, c'est l'intention que le Rabbi de Lubavitch a eue, et c'est le discours qu'il a tenu toujours avec tous, de nous donner, de nous faire prendre conscience que notre vie, elle avait une résonance mystique, mais qui était tout à fait concrète et réelle, matérielle. C'est-à-dire de faire en sorte que nous ayons une vie spirituelle dans cette matérialité. De faire prendre conscience bien à l'homme, comme nous disons dans le Birkat Amazon, que chaque chose que nous avons, chaque élément matériel, que ce soit du minéral, que ce soit du végétal, que ce soit de source animale, l'homme, tout ce qu'il a à faire sur Terre, c'est d'aller chercher, de dévoiler, de mettre la lumière sur les étincelles divines qu'il y a dans chaque élément. La Torah, elle nous a été donnée à un moment précis. Et si elle nous a été donnée juste après la quatrième souffle, la sortie d'Égypte, c'est pas parce que les bénis Israël étaient particulièrement saints. Elle a été donnée quand on a été capable, grâce à Yitro, de prendre conscience qu'on avait une nécessité de faire un tri entre le bien et le mal, de purifier notre propre personne et le monde qui nous entoure. D'être capable de créer un lien entre l'infini du Saint béni soit-il, cette lumière supérieure et suprême, cette infinie lumière avec ce qui nous paraît, nous, totalement limité. Et ce Yitro-là, c'est la préparation à ce don de la Torah. Ça, c'est un travail, le Rabbi de Lubavitch nous dit, qui doit être fourni et des efforts qui doivent être faits et accomplis tous les jours de notre vie. On est toujours en mesure de vivre cela. C'est la raison pour laquelle on nous demande de sortir tous les jours d'Égypte. Tous les jours, on rappelle cet événement de la sortie d'Égypte, on le répète plusieurs fois dans le schéma Israël, dans la Tefila, on parle sans arrêt de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on doit être conscient que Bechol, Derachecha, Daehu, il est dit comme ça dans la Torah, dans tous tes chemins, tu dois connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois t'attacher à Dieu dans tout ce qui te paraît être existant, même si ça n'a pas une apparence de sainteté. Dans tout ce que tu fais, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ta façon de te comporter, de sourire ou de ne pas sourire, enfin surtout sourire, dans ta façon de tenir ton foyer, ta maison, ta famille, dans ta façon de parler à tes enfants, on doit voir que tu es là pour révéler, pour dévoiler la mission que tu as ici sur Terre, qui est que quoi? Tu es là pour révéler et être le représentant de Dieu sur Terre. Tu es là pour dévoiler la lumière qu'il y a, pour dévoiler la sainteté qu'il y a. Quand tu es au travail, tu es aussi en mission. Il n'y a pas un moment où tu peux dire, genre, mais je me soustrais à ce que je suis. La Torah, c'est cette connexion qui est entre les deux. C'est à ce moment-là qu'on comprend ce qui est dit, et on va conclure sur cette idée-là. Baruch Hashem. La Gemara Sanhedrin a dit comme ça. A priori, quand il a dit ça, c'est un mépris pour Moshe et pour le peuple juif. Parce que personne n'avait dit Baruch Hashem avant lui. Bien sûr, les paroles de la Gemara, elles sont très très intéressantes. Pourquoi est-ce que Moshe, lui, n'avait pas dit Baruch Hashem? Pourquoi est-ce que Yitro, lui, a dit Baruch Hashem? Imaginez que le peuple juif et Moshe Rabbeinu, eux qui ont dit Aziyashir Moshe, qui ont dit la Shira, le remerciement pour Hashem, qui ont chanté ses louanges en sortant d'Égypte, ils avaient la possibilité, eux aussi, de dire Baruch Hashem. Le Rabbi nous explique ça de manière très très simple. Qu'est-ce que c'est la Bracha, Baruch Hashem? Bracha, c'est de faire descendre cette sainteté dans ces mondes matériels. Bracha, ça vient aussi du mot berech. Berech, c'est le genou qui se courbe. Jusqu'à ce que Yitro arrive, l'homme n'était pas capable de faire descendre cette shrina, cette présence divine, ici-bas. Donc c'est personne qui avait la possibilité de dire Baruch Hashem. On était conscient de la grandeur de Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte. On est conscient de sa sainteté. Mais être capable de prendre cette sainteté, de la faire descendre dans la matérialité, ça demande énormément d'efforts. On ne sait même pas si on est capable de le faire. Vient Yitro,
Et Yitro, il nous amène cet élément supérieur. Comme la chassidoute, comme le rabbi, ce qu'il a fait le rabbi avec la rabbanite, avec son épouse. Ils ont été là, ils ont donné leur vie pour nous apprendre que, oui, c'est possible. Oui, la Torah, c'est pas juste à la synagogue ou à la yeshiva. Oui, la Torah, c'est en moi, c'est dans ce que je dis, ce que je ressens, c'est dans les souffles de ma respiration, c'est mon oxygène. Voilà ce qu'on pouvait dire. Aujourd'hui, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous rappelle que nous avons étudié pour l'Eiloui Nishmat, un grand chaliar du Rabbi, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Nous avons étudié aussi pour le mérite de Laurent Meir Barnes, qu'Hachem lui envoie une grande réussite dans tout. Et une bonne santé pour Arlette Mazouz Bat Louise Haddad, ainsi que l'Eiloui Nishmat Sima Bat Esther Golda. Que des bonnes choses pour toutes et tous. Ashreino, 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 Matoy Vrelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Vrelgeino, Ashreino, 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 Matoy Vrelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Vrelgeino. Umanahim, umanahim, megoraleinu. Umayafa, yafa, yerushateinu. Umanahim, umanahim, megoraleinu. Chazak, chazak, bonne soirée à toutes et tous. Umayafa, yafa, yerushateinu. Umanahim, naim, naim, megoraleinu. Umayafa, yafa, yerushateinu. Umanahim. Naim naim megoraleinu, umayafa yafa yerushateinu, umanaim umanaim megoraleinu, umayafa yafa yerushateinu. Excellente soirée à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.